did we go? How did we go and get to to Europe and elsewhere as we're now sort of spread out? And in doing that, we discovered something quite interesting, which is, although it is obvious, it took writing, taking this journey to realize that we had experienced Rwanda differently, we're given the spread. So I was 22 in 94. The youngest sibling, Alice, was 17, 16, going 17. Our youngest sibling was 8, 9 years old. So, of course, we experienced Rwanda very differently. And this is something that Alice, for the audience online, touched on in her message, which is the importance of understanding and discovering who we are. So our siblings went through this process, and we started gathering stories. And just like the fable goes about describing an elephant, there's this Buddhist story of getting a few monks to blindfolded to describe an elephant, and everybody takes a piece, and one tells you that, an elephant has one leg. Another tells that the elephant, well, it's a leg, the other has a trunk, and so on and so forth. So it was a collective montage or collage of stories that very skillfully, as you'll discover, Alice was able to, to weave together and give it a, a coherent tone. But it was painful. This is what I wanted to, It was painful as in a birthing process that enhanced our individual healing and releasing the traumatic experiences that we had experienced or the stories that we had heard. So we all experience things differently, but we also experience different things. And as a quick example, I was not in Rwanda at the time in 1994. I was living and studying in Europe. As my immediate sister, Denise, we both were living abroad and studying abroad. And so we experienced the tragedy in very different ways, of course, than Alice, who de facto was the oldest in the house. And you read about this in the story. And, she took very mature steps in the very crucial moments that were life-saving, literally, working with our mom and others to get out. And then I, from Europe, did all I could to facilitate, their exit, their extraction, and the story you read about. But so we all experienced this tragedy very, very differently. And as a result, the journey to recovery in rediscovering who we are was also very different for every one of us. The way the youngest had to adapt very quickly, learn a new language. They knew mostly Kinyarwanda, the very young ones, because they were schooled as those who lived in Rwanda at the time. If you went to primary school in Rwanda, you learned Kinyarwanda. So you're uprooted, you have to learn a new language. And so we get into that very much in the book. The mutual support that took, that allowed us to complete this project, I cannot begin to describe how important it was. And the steadfast support of our mom, cannot be emphasized enough. Now, I'd like to move on to two more points before we then open it up for discussion. The first one being one of the key messages in the book that I personally wanted to emphasize, which is the notion and experience of forgiveness. So in the book, we conclude the book with individual life lessons, if you will, that we draw upon our journey, our healing experience, the working through trauma and otherwise, and then this redefinition of ourselves. And so, as you'll discover, there's about 10, 10 life lessons in the book. And what I'm alluding to, Alice shared one about peace, a very important one, and the work, all the important work. This is again for people joining us, the important work around
peace circles, where resilience is, I would call it applied resilience, meaning getting people around the table from different backgrounds to first acknowledge each other, recognize, and in full autonomy, share their story, but most importantly, listen and hear the other story, the story they're not familiar with, the uncomfortable angle and aspect of, the tragedies that they've experienced. And this is true not just for Rwanda, but many, many other, countries and conflicts. And for us, near and dear, is the fact that this tragedy impacted not just Rwandans. By definition, as we state very much in the title, our neighbors from Burundi were devastated. This was the continuation of a crisis that started months before. We touch on that again in the. So to conclude on the, on the this aspect of forgiveness, it is really that it takes, and there are, there's a cycle, if you will, in working through forgiveness, but oftentimes it takes learning to forgive oneself. And at times it can be hard to forgive oneself, learning to forgive and understand the other. And forgiving doesn't mean forgetting. We're not sort of offering this La La Land story or some kind of, and again, Alice alluded to this notion that we're completely glossing over the realities of what happened first and foremost before, during, and after 1994. And again, you'll discover that things were really not easy for many, many of us and many people around us, relatives, friends from all backgrounds that went through this journey. But rather that, once the personal work is done, there is then the ability to acknowledge the other, whatever that means, and then relating to and with them, being able to look forward. So just to conclude with, again, much gratitude for being here, to Baraka Books for making it possible for now this account of ours to reach a broad audience. And by the way, this isn't, it's not at all a coincidence that we picked English as the next language. We felt, and Robin alluded to this again in why Baraka Books came into existence, that there is a broad audience that needs to get the full picture on what happened in the African Great Lakes, in particular, from the vantage point, and we're very clear about that, of our family. So this is our story. We don't claim that it's everyone's story, but I think a lot of people might recognize themselves in what we share, both from Rwanda and beyond. But at the same time, it has to happen in languages other than Kinyarwanda, as important as it is, and French. Among Rwandans, there are certain things that are said possibly in Kinyarwanda that do not come out in French. Others are said in French that don't necessarily come out in English. And for the English audience, the readership, there's a whole range of tales that have been written, shared about a country that we don't necessarily recognize as the country that we grew up in. And this is not to ignore or deny the tragic events as they happened, but simply that things are much, much more subtle, complex than people are given to believe otherwise. And as a final example, it was really important for us to say that it is possible to rebuild oneself in community, in harmony with each other as siblings. And, thankfully, our mom is still around. And that's where the title, After All Was Lost. After all was lost, we are still here and we're thriving to the best of our ability. But we are thriving following the tragedy that started on April 6th, 1994, which is when the tragedy in 94 started
as far as what is typically discussed in the context of Rwanda, Burundi, and the African Great Lakes. Thank you very much. Merci beaucoup, Amadou. C'est vraiment touchant. Ça me fait vouloir lire le livre de nouveau. Et juste avant qu'on ouvre aux échanges, il y a des remerciements que j'ai oubliés. Je remercie beaucoup Alice et Maurice d'avoir confié à Baraka Books ce manuscrit, cette histoire, parce que souvent, c'est un honneur qu'on fasse confiance à une maison d'édition. Je veux remercier aussi Place and Tom qui s'occupe ici en ligne. Elle est directrice littéraire chez Baraka Books. Et je remercie Chantal, Marie-Chantal, d'avoir fait des beignets rwandais que vous allez pouvoir goûter tout à l'heure avec un verre de vin, de l'amitié. Alors, je vous invite à poser vos questions ou faire des commentaires pas trop longs, mais ils sont très bienvenus, hein, des commentaires ou des questions. Et Roxane est ici avec le micro, puis elle va vous donner le micro, puis si vous voulez vous identifier et dire à qui vous adressez votre question. John Tupo. Je suis le frère de Robin et je connais Maurice depuis très longtemps. Et je ne dirais pas beaucoup, et ce n'est pas vraiment une question, mais au début, quand on a commencé à travailler en défense au Tribunal international pour le conduct, j'ai connu Maurice à l'aéroport d'Amsterdam et Amsterdam. Et j'ai connu Victoire Ngabire. Et Victoire, je ne la connaissais pas, mais j'ai vu comment elle était résolue. Et j'ai vu Maurice. Et ce sont des choses. Je ne connaissais pas toute votre famille, hein, mais la contribution des gens comme Maurice et comme sa famille, ainsi que Victoire Ngabire, que nous connaissons tous, qui s'est exprimé au mois d'août au African Bar Association. Moi, je trouve ça intéressant parce que le monde est ensemble. Je ne dirais pas plus que ça parce qu'il y a beaucoup de monde qui peut faire. Merci. Bonjour, je m'appelle Gracien Rodolphe-Pana. J'ai plein de choses à dire, toute une conférence, mais je vais m'arrêter sur deux, trois phrases. C'est un grand honneur profond de retrouver deux enfants de Tawimana devant moi en train d'expliquer tout ce qu'ils viennent de nous expliquer. J'ai connu la famille Tawimana dans les années 75-76, au moment où j'étais attaché militaire en Belgique. J'ai mangé chez vous au moment où je pense qu'il y avait un enfant ou deux enfants, je ne m'en rappelle plus, mais encore, la maman avait l'air de sortir de l'école secondaire, elle était tellement jeune, je m'en rappelle encore. Donc, de voir que l'histoire fait des boucles et des boucles et des boucles, et d'entendre les fils, le fils et la fille du général Kaviman, hein, parler de résilience et non pas de vengeance, ça, les amis, c'est très réconfortant. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Jotam Wamiheto. Je voudrais d'abord remercier Alice, Maurice et toutes leurs familles pour avoir partagé avec nous l'intimité de votre famille. Je voudrais remercier aussi Robin
qui nous a donné son privilège d'être ici et qui a volontiers accepté d'éditer son livre. Je vous remercie d'avoir partagé avec nous ce que vous avez vécu. Vous avez perdu votre père, mais en écrivant son livre, vous avez montré à la communauté rwandaise et à la communauté internationale que, comme certains le disent, en Kinyarwanda, Bavugabati et Semoyode Yaharimuniki, comme pour dire que dans cet avion, il n'y avait rien d'important. En écrivant son livre, vous avez montré que dans cet avion, il y avait un père de famille, il y avait un chef d'état-major d'un pays, il y avait un président de la République, ainsi que d'autres dignitaires. Merci aussi pour avoir montré que dans cet avion, il y avait des personnes importantes. Vous avez aussi dit que vous avez écrit ce livre pour ne pas faire oublier la mémoire de votre père. Ça, c'est vrai, mais en tant que membre de la communauté rwandaise, nous voulons vous rassurer que cette tragédie dans laquelle votre père a perdu la vie, ainsi que notre chef d'État, en tant que membre de la communauté, tout ce que nous vivons ici, à présent, découle de cet incident. S'il n'y avait pas eu cet incident, peut-être que nous ne serions même pas ici. Donc, en tant que membre de la communauté, nous voulons vous rassurer que le temps voulu, ça peut être notre génération, ça peut être la génération qui va nous suivre. Les gens qui ont perdu la vie dans cet avion, c'est sûr et certain, le pays va se souvenir d'eux. Donc, ce n'est pas vous seulement qui vont perdurer ça sur son mémoire, mais le temps venu, le pays, c'est sûr et certain, va se souvenir de votre père et d'autres qui étaient avec eux dans cet avion. Je vous remercie. Bonjour, c'est Janine Akifmana. Merci Maurice, merci Alice, parce que je connais depuis jeune. Moi, évidemment, je vais parler, non pas pour les femmes, parce que votre tragédie, ce que vous racontez, me touche beaucoup. Ça amène beaucoup d'émotions. Je veux parler surtout pour ce que vous voulez transmettre pour les enfants, parce qu'il nous a fallu beaucoup de temps pour réaliser ce que nos enfants vivaient ou vivent. Nous, comme parents, oui, le sacrifice, je pense que tous les parents font un sacrifice, mais je dirais que moi, ce que j'ai retenu de ce livre, parce que je l'ai lu en français, c'est vraiment le message pour les plus jeunes générations, à qui, comme vous avez dit, on a transmis que nous avions, que nous savions. Ça veut dire tout le parcours par lequel nous sommes passés. Et je trouve qu'effectivement, aujourd'hui, parler de réconciliation, par exemple à mes enfants, c'est quelque chose qui est très difficile pour eux aussi. Même quand j'essaie de le dire, pour eux, c'est des mots creux. Parce qu'ils ne l'ont pas vécu durant tout le trajet.
Ils n'ont pas entendu ce message-là. Ils ont entendu juste un message d'injustice. Ils ont entendu un message de combat pour avoir la justice, mais ils n'ont pas entendu ce message de réconciliation. Donc souvent, ces enfants ou ces jeunes-là, la seule chose qu'ils retiennent, c'est effectivement, comme vous avez dit, ils ont peur de retourner dans leur pays, ils se rendent compte que d'autres Africains rentrent dans leur pays. Et je pourrais vous donner une anecdote. Mon fils, qui travaille beaucoup, beaucoup plus dans la vente, etc., il a eu une opportunité d'aller au Rwanda avec son associé qui est érythréen. Et il lui a dit, moi, c'est bien, mais moi, je ne peux pas aller dans ce pays. L'autre lui a demandé, mais pourquoi? Non, 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 c'est trop dangereux pour moi. Mais trop dangereux dans le sens qu'il n'est même pas capable nécessairement de... Il est capable de l'expliquer, mais il ne veut pas partager ça avec son ami. Donc finalement, son ami érythréen est allé tout seul. Nous lui avons fait rencontrer des gens de la famille qui sont là-bas. Mais mon fils est resté en disant, mais peut-être que j'aurais pu y aller, mais ils vivent avec cette... Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que moi, je trouve que ce livre devrait être partagé, ou vous, vous devriez partager avec d'autres jeunes. Et c'est bien que vous en parliez aux parents, parce que souvent, nous, comme parents, on vit aujourd'hui les conséquences de ce que nos jeunes, qu'on a ramenés très jeunes, vivent aujourd'hui. Et c'est aujourd'hui que ça nous interpelle et qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont eu tout ce qu'ils ont, on a tout fait pour eux, ils ont tout eu, mais apparemment, il leur manque quelque chose. Et ce morceau-là d'identité, comme vous l'avez dit, je pense que comme parents, on ne l'a pas vu venir. Je vous le dis tout de suite, on ne l'a pas vu venir. On a vu juste, on s'est dit, eux, ils sont sauvés. Nous, on a payé le prix. Les enfants sont sauvés, mais en fait, ils ne l'étaient pas. Voilà, merci. Merci. Bonsoir, bon après-midi tout le monde. Je me présente, je m'appelle Cyril, une cousine de la Chambre. Et si je suis ici cet après-midi, c'est quand j'ai eu l'annonce de cet événement. Et je me suis rappelé qu'il y a 4 mois, j'ai eu la chance de rencontrer Alice. C'était à l'occasion d'un événement plus ou moins comme celui-ci, où c'était la ronde. En tout cas, vous connaissez tous, vous en avez entendu parler, présenter son livre à Bruxelles en français, Les Assassins sans frontières. Et elle m'avait associé à cet événement avec mon époux et l'un des protagonistes dont elle parle dans son livre. Et Alice était là ce soir-là, je me souviens très bien, c'est la première fois que je la voyais. Je connais la famille de nom, bien sûr. Les Rwandais, on connaît tous quelqu'un qui connaît quelqu'un. Donc voilà, et en famille, élargie, belle famille et tout ça, on finit tous par se connaître. Donc elle était là et elle avait posé une question et j'avais été très frappée par le calme, la douceur, la gentillesse qui se dégageait de cette jeune femme. Et puis après, on avait eu l'occasion d'échanger un peu après l'événement et ça m'avait beaucoup marqué. Donc Alice, je tenais à être ici cet après-midi pour toi et dans le processus évidemment pour ta famille, ton frère, tes sœurs et votre maman que je ne connais pas. Et les messages que tu nous as partagés, je pense que beaucoup d'entre nous qui sont parents, qui ont connu aussi des tragédies, nous pouvons nous reconnaître dans ça. Mais pour ajouter à ce que madame vient de dire, c'est très important, surtout pour nous les parents, pour nos enfants, parce que c'est vrai, la plupart des histoires, bonjour John, qui ont été écrites sur toute cette tragédie, les gens qui ont parlé de ce qu'ils ont perdu, c'est surtout les adultes. Donc maintenant, c'est votre génération qui commence à grandir et à nous faire partager ce que vous ressentez, ce que vous avez vécu comme des enfants de ces hommes ou de ces femmes qui ont disparu et comment vous voyez, comment ça vous a structuré et comment vous envisagez l'avenir. Merci beaucoup
pour tous ces messages. Et merci à Robin et merci à tous qui sont ici. Jean et Marna, merci à vous. Merci à vous. Vous avez une question que je vous pose. C'est sur le cheminement personnel. J'aimerais parler en fait aussi des étapes. Malgré que vous avez vécu le même événement, vous vous êtes rendu compte que c'est quand même dans des situations différentes. Et c'est vrai que, comme Alice nous l'a dit, nous ne consultons pas. Nous avons des problèmes, nous ne consultons pas. Et je pense. Le message que vous donnez ici, surtout pour nos enfants, mais aussi pour nous-mêmes, c'est vraiment de parler, d'affronter la réalité, comment elle s'est passée. Vous avez insisté les deux sur ça. Maurice a dit que ce n'était pas facile. Et comment l'idée vous est venue, ce n'est pas quelque chose qu'on trouve facilement dans le monde où on est. Nous avons tendance à aller très vite sur cet événement, mais vous avez pris le travail. D'aller passer le temps là-dessus. Vous avez insisté sur ça. Comment l'idée vous est venue sur ça? Alors, moi, je dirais, donc, merci pour toute votre intervention. Donc, moi, je dirais que l'idée m'est venue en deux phases. Donc, comme j'ai dit, en métier, je suis responsable professionnel dans un milieu multiculturel, l'Union européenne. Et en tant que ressources humaines et en tant qu'une personne intéressée par l'humain, je suis devenue, j'ai envie de dire naturellement, confidential counselor, donc la personne de confiance dans l'entreprise qu'on consulte pour les aspects, pour des questions d'harcèlement moral, sexuel ou des conflits au travail. Et pour être bien dans cette fonction, il fallait que je me forme en médiation. Et en me formant en médiation, je me suis dit, tiens, je me suis d'abord formée en médiation d'entreprise familiale, mais j'ai toujours eu à cœur de faire quelque chose dans la communauté rwandaise, en ne sachant pas très bien quoi, mais en tout cas en sachant que je ne veux pas aller dans la politique. Mon père n'était pas politique, c'était un homme militaire. Et donc, moi, ce côté, donc, j'avais d'abord eu, comme beaucoup de Rwandais, une rupture avec le Rwanda parce que je me suis dit, mais comment est-ce qu'on peut être autant hypocrite? On vit ensemble et puis du jour au lendemain, les gens prennent des machettes, et écoutent les autres au nom de quoi? Je veux dire, il n'y a personne qui peut cautionner cette boucherie. Vraiment, on ne peut pas faire ça aussi. Donc, je me suis éloignée de la communauté parce que je ne me retrouvais pas du tout dedans. Et d'ailleurs, je m'étais promis que je n'ai plus jamais rencontré un Camerounais. Et donc, ça, c'est la deuxième influence qui a été en épousant quelqu'un d'autre culture. Il y a ce choc de culture, nous sommes africains, mais il y a quand même ce choc de culture où j'ai envie de dire, bah, vous dites la rame, mais donc eux, ils passent. Voilà. Nous, les Rwandais, on parle doucement, on ne dit pas les choses qu'on pense, on est. Mais mon mari, ça a été vraiment ce choc positif où il dit ce qu'il pense. Donc, pas seulement mon mari, on est passé en fuyant, on est passé par le Burundi et par le Congo. Donc, on apprend une autre façon de communiquer qui est tout aussi bien, où les gens disent ce qu'ils pensent. Il n'y a pas de honte, on entre en clash, on parle et puis ça passe. Donc, ces deux aspects ont fait que je me suis formée en médiation et en commençant à approcher d'abord l'aspect médiation familiale, il y a quelque chose que je me suis rendu compte qui faisait vraiment écho dans ma tête, c'est que dans la communauté rwandaise, qu'est-ce qu'on constatait? Au mois d'avril, qui est un mois de deuil pour tous les Rwandais, vraiment toutes ethnies confondues, il y avait un problème de violence familiale qui s'installait chez les Rwandais. Donc, en tant que médiateur, j'ai eu des familles rwandaises, des couples rwandais, et le qu'est-ce qu'ils disaient tous? Ben, au mois d'avril, il y a mon mari, il me barre un peu plus. Il y a le mari ou la femme, hein, l'alcool. L'alcool, c'est quelque chose qui est très libre dans notre communauté, mais on n'était plus dans un degré de boire raisonnable. Hein. C'était vraiment une alcoolisation, les gens qui devenaient saouls, qui
avec toute la violence, et je l'ai même expérimenté dans ma famille directe, où ça commence par un verre, on parle, mais la fête termine, tout le monde se gueule dessus, tout le monde s'insulte, et tout ça, c'est quoi? C'est le traumatisme. Donc l'idée m'est venue comme ça, par une influence multiculturelle, par le fait de médiateur, en me formant, en osant parler. Je me suis rendu compte que les gens ne parlaient pas. Et là, c'est aussi un message que j'ai quand même envie de vous dire, c'est que, et qu'on dit aussi à maman, qui on ne peut pas la changer, elle est ce qu'elle est. Mais autant les parents rwandais, il faut vraiment, on vous dit merci, mais il faut aussi être indulgent envers vous-même. Vraiment, parce que la priorité, comme on a dit, n'était pas de parler, c'était de nourrir les enfants, les habiller, les amener à l'école, avoir un toit. Et cela a fait que même si la parole n'est pas naturelle, ça l'était encore moins. Et les parents ont dû affronter leur propre peur et les traumatismes. Donc, autant ce n'est pas trop tard pour parler, autant il faut aussi être indulgent envers vous-même en disant que la priorité n'était pas là. Mais on est là pour faire le pont, le relais. Et aussi, on est là pour dire aux jeunes, grandissez et affranchissez-vous, posez les questions et allez-y. Maurice, je vais à nouveau grand merci pour vos commentaires, témoignages, encouragements, ainsi que la question donc, du comment et du pourquoi. Pour partager ma perspective, donc Alix vient de vous expliquer de son côté, moi, il y a justement cet aspect où je suis né au Rwanda. Je suis né au Rwanda. Parmi mes frères et sœurs, je suis le seul qui suis né au Rwanda. J'ai vécu au Rwanda jusqu'à l'âge de 9 mois. J'ai 51 ans aujourd'hui. Le reste de ma vie, je l'ai fait à l'étranger. Mais j'avais l'opportunité de rentrer pendant de longues années, jusqu'en 94 ou en 94. Et j'ai connu ce pays vraiment sous un angle très privilégié. Ça, c'est pour la génération de vos enfants, dans la mesure où, quand on rentrait au Rwanda, bon, et vous le verrez dans le livre, je vais révéler une chose néanmoins, c'est que on passait la moitié du temps dans la capitale et le reste du temps au village. C'est une chose sur laquelle nos parents ont toujours insisté et j'ai eu le privilège, mes frères et soeurs et moi, avons eu le privilège de vivre, bon, c'était évidemment une période limitée, mais la vie de campagne. Et nos parents insistaient sur le fait de comprendre, vous devez voir et savoir d'où nous venons. Vous allez voir le trajet qu'on faisait, le fait de marcher pendant des... Bon, et ce n'était pas une marche forcée, mais par exemple de marcher de chez notre grand-mère paternelle pour aller tout au flanc du côté de ma grand-mère, de mes grands-parents maternels, ça fait plusieurs kilomètres. C'est une marche que notre père faisait lorsqu'il était au lycée. Et il a dit, je vais vous montrer ce qu'on faisait tous les jours, plusieurs kilomètres. Ça faisait partie de notre vécu. Il y a d'autres anecdotes que vous découvrez dans le livre. Et tout ça pour dire que moi, j'ai quelque part un peu l'expérience de vos enfants dans la mesure où je suis né au Rwanda, mais c'est un pays que j'ai vu et vécu à distance. Je rentrais tous les ans, presque tous les 2 ans, comme je le disais, jusqu'en 94. Et donc, c'est un pays évidemment qui m'intriguait beaucoup, qui m'interpellait tout au fil du temps en grandissant à l'étranger. Et lorsque, par exemple, ça c'est une chose qui n'est pas dans le livre, donc je vais le dire, lorsque, par exemple, étant au lycée, un prof d'histoire qui avait servi dans l'armée coloniale a fait un commentaire par rapport au Rwanda des années 80 et la dynamique, la politique de l'époque, le système qui était en place. Et il généralise par rapport à toute l'Afrique, ça m'a interpellé. Je dis, mais qu'est-ce qu'il raconte? C'était pour moi, c'était un choc. Ah oui, mais chez vous, il y a des élections, mais vous avez un système de parti unique, enfin, toutes ces choses-là. Je rentre cet été, je demande à mon père, mais c'est quoi ces histoires? Et donc, il me dit, écoute, prends ceci, il me donne le manifeste du parti, toute une série de littérature, et j'ai appris à comprendre ce qui se passait à ce moment-là. Donc c'est juste une anecdote pour vous dire que j'étais vraiment intéressé depuis très longtemps. Et par ailleurs, ayant grandi à l'étranger,
je suis une sorte d'hybride, justement, sur le plan culturel, où, depuis un très jeune âge, j'ai eu la chance et le bénéfice, et nous partageons, de vivre avec quelqu'un qui était un homme très moderne pour son époque, qui, contrairement à la culture dominante, nous parlait à nous en tant qu'enfants depuis un très jeune âge. Et il n'y avait pas de questions qu'on ne pouvait pas poser. Vraiment, il nous encourageait. Et moi, j'ai donc eu, étant plus âgé, beaucoup de conversations, certaines que nous partageons dans le livre, par rapport à ce qui se passait durant, avant la guerre. De la même façon, quand je rentrais auparavant, j'ai eu l'opportunité et mon père, ça l'a fait trembler dans ses bottes. Ou quand je rentrais pendant les vacances, j'ai eu la chance et l'opportunité de rencontrer le président Habyarimana, étant adolescent, et de lui poser des questions qui l'ont surpris. Quand je vous parlais de ce système d'élection et tout ça, je lui ai posé une question là-dessus. Initialement, il s'est dit, qu'est-ce que tu me demandes? Personne ne me demande ce genre de choses. Mais il a vu que j'étais sérieux et donc il a pris le temps de me répondre. Et tout ça pour dire donc qu'on avait vraiment nous avons bénéficié de cette influence par des hommes intègres qui épousaient, étaient vraiment menés par l'amour de leur pays. Et c'est une chose que j'explique souvent aux Africains d'autres pays, c'est que le Rwanda étant assez élevé au niveau des montagnes, c'est un pays qui en fait a été découvert tardivement par les colonisateurs. Et donc c'est une terre où ces groupes ont évolué pendant très très longtemps ensemble, pas de manière facile, pas la façon rocambolesque que certains voudraient nous faire croire que ce sont les Belges ou les Français ou je ne sais pas qui nous ont appris que nous étions groupe X, Y ou Z. Ces choses-là existaient avant, c'était entre nous. Et il y a toute une dynamique sociale qui existait donc, j'ai eu l'opportunité de découvrir. Donc, étant vivant cette tragédie par ailleurs en 94 ou en 94, une fois le choc passé, pour moi il y avait toujours ce feu, cette question, mais qu'est-ce qui peut permettre que deux chefs d'État disparaissent? Et comme vous l'avez si bien dit, on tire un trait dessus avec toutes les conséquences que ça a pu avoir sur le pays lui-même, sur ces millions de Rwandais qui ont souffert, Tutsi, et bien au-delà, et ça c'est une chose que sur laquelle j'aime mettre l'emphase, la région des Grands Lacs. La tragédie du Rwanda et du Burundi a eu un impact que beaucoup ignorent ou ne connaissent pas sur le Congo, juste pour citer le Congo, et par extension la Tanzanie, l'Ouganda, les millions de personnes qui sont mortes suite à ce que Gérard Cougnet a appelé la guerre de l'Afrique, la troisième guerre mondiale de l'Afrique. Il a un titre un peu différent, mais en anglais, c'est dit The African World War, la guerre mondiale en Afrique. C'est une chose qui m'a interpellé beaucoup. Et donc, pour conclure, mes frères et sœurs et moi, nous avions des motivations les uns et les autres sur partager, essayer de faire ressortir ce qui nous intéressait. Mais avec notre parcours individuel, nous avions eu l'opportunité, moi-même j'ai eu l'opportunité, comme Alice le disait, souvent il n'y a pas l'idée de chercher de l'aide et de trouver du conseil. Ce n'est pas une chose qui vient naturellement, mais par chance, moi j'ai eu la chance, étant à l'université, il y a une année particulièrement difficile, on y fait allusion dans le livre, où une bonne partie de notre famille a été décimée et ça a vraiment été la goutte qui a fait déborder le vase. L'année 97-98, où nos grands-parents, les uns après les autres, ont été tués chez eux. Enfin, toute une série de choses sont passées. On a perdu d'autres membres de la famille, y compris en Europe. Ces jeunes qui parfois meurent dans des accidents parce qu'ils ont trop bu, parce qu'ils ont fait la fête, parce qu'ils cherchent à éviter cette souffrance qu'ils ne comprennent pas ou ces choses qui leur sont arrivées, c'est des choses que nous avons vues et connues dans nos cercles immédiats. Et donc, nous nous sommes entendus sur l'idée de partager ces perspectives. Voilà.
passe donc questions. Comment? Oui. Alors, donc on est arrivé ici, on a fait ce qu'il fallait faire, tout ça, en fait, de pouvoir continuer à vivre un peu. Et, en fait, travailler sur vous et vous faire aider par le village qu'on s'est fait créer. Maintenant, malgré tout ce processus par lequel on est passé, on est là. On n'est pas encore retenu au pays. Et moi, par ce livre, je voudrais vous féliciter d'abord. Parce que je sais que derrière là, il y a un travail immense. Tant par la famille qui a mis ensemble les efforts, mais aussi le travail immense par mon fils. Et je ne peux pas dire parce que c'est. Alors, moi, je voulais vous poser une question personnelle. Je vais répondre, ou non, mais c'est que c'est une question que j'ai toujours, mes enfants toujours en eux. Et est-ce que vous, votre famille, est-ce que vous avez vu un de vous, peu importe, membre de la famille, vous avez pu retourner au Rwanda? Comment ça s'est passé? Quelle est votre impression? Vous pouvez dire à nos enfants qui ne sont pas capables, et à moi non plus aussi, qui n'est pas capable de retourner. Malgré ce que les gens qui vont là-bas, ils reviennent, ils nous racontent, oui, c'est sécurité, oui, c'est ça. J'ai beaucoup d'opportunités, de choses, je ne sais pas vous retourner. Beaucoup de choses qui m'ont demandé de retourner au Rwanda, je n'ai pas retourné. Donc, pas faire. Voilà. Merci Marie-Fidèle. Et donc, tout d'abord, condoléances. Et condoléances aussi à tous les endeuillés de la salle. Parce que c'est un exercice que j'invite à faire dans les cercles de résilience où les Rwandais, pour la première fois, presque après 100 ans, ils se regardent et ils se disent condoléances. Donc, ensemble dans cette odeur. Ensuite, la question du retour au pays. Oui, dans notre famille, nous avons une sœur, et c'est même écrit dans le livre, hein, qui a été au Rwanda, qui, à un moment donné, elle a dit « j'y vais ». Donc, elle nous a dit ouais, « on va aller dans le folle, qu'est-ce que tu vas faire là-bas, on va te tuer, on pas ». Mais elle, ça entrait, ça sortait. Donc, elle avait vraiment... comme Maurice a dit, chacun habitait, donc Maurice et ma sœur Denise habitaient en Europe. Moi, j'étais la plus grande au Rwanda. Et Denise n'a pas vécu ce que nous, on a vécu. Donc, quelque part, elle avait, et on parle de son chemin à elle, qui est la persévérance, elle avait besoin de se reconnecter avec le Rwanda pour faire un travail psychologique de guérison. Elle a eu très peur. Elle a eu très peur pour elle, mais ça s'est bien passé. Donc, pour dire aussi que c'est que faire, c'est un choix personnel. Et c'est exactement ce que je suis en train de travailler avec les jeunes dans les ateliers, dans le sens où, même moi, personnellement, je ne suis pas encore retournée, j'aimerais bien y retourner. Et il y a une année où je me suis dit, tiens, cette année, je vais y aller. Et cette année-là, j'ai commencé à faire des cauchemars. Je rêvais qu'on m'arrêtait à une barrière, que je pouvais tuer. Enfin, il y a vraiment des choses physiques qui se produisaient en moi, donc qui traduisent que c'est encore un traumatisme. Donc, je n'ai pas encore été parce que je n'ai... Et ensuite, parce que moi, la toute dernière image que j'ai du Rwanda, ce sont des corps par terre, des pneus qui brûlaient, ces odeurs, donc... Ça, c'est mon expérience. J'espère qu'à un moment, je vais surpasser ça aussi pour y aller. Donc, pour dire que même moi, je ne suis pas encore un chemin
de guérison qui est complète. Mais que faire? Et c'est ce que je disais. La première chose à faire, en fait, c'est d'identifier quel est le besoin qu'il y a derrière cette envie d'aller au Rwanda. Et ça, c'est une question personnelle que chacun doit se poser. Et vous, les parents, que faire? C'est être capable d'écouter et d'entendre ces enfants qui vous disent « j'ai envie d'y aller » et sans directement les culpabiliser, leur transmettre vos peurs ou dire « non, c'est pas, tu ne dois pas y aller ». Donc, c'est vraiment écouter, enfin, pour les jeunes ou pour les personnes qui ont envie d'y aller, exprimer ce besoin, se dire qu'est-ce qu'il y a derrière ce besoin, est-ce que c'est un besoin d'identité, est-ce que c'est un besoin de reconstruction, est-ce que c'est un besoin d'aller voir là où on a tué ma famille, parce que ce n'est pas seulement les Hutus qui ont peur d'aller au Rwanda, ce sont aussi les Tutsis qui ont été traumatisés, qui ont perdu toute la famille et qui ont peur de réouvrir ces blessures du passé. Donc c'est déjà quel est le besoin et ensuite écouter ce besoin de cheminement en tant que parent et présenter la situation. Hein. Comme j'ai dit, on n'est pas l'office du tourisme pour dire allez-y comme on voit, mais c'est aussi être en réalité et ne pas non plus cacher l'histoire. Si en tant que Rwandais Hutu, vous avez perdu vos membres, que ce soit par le FPR, que ce soit par les Inerarmes, que ce soit par qui que ce soit, donc leur dire l'histoire telle qu'elle est pour qu'à la fin, ces jeunes et ces enfants prennent leurs décisions, mais en tout cas les écouter et laisser parler leurs besoins. Donc ça, c'est les deux choses que je dirais de ma part. Tout à fait, juste pour ajouter ma perspective et mon expérience. Donc il y a moi je me suis retrouvé à l'aéroport de Kigali mais par accident, et je peux vous assurer que j'étais vraiment heureux quand l'avion a repris. Mais ça a créé quand même un questionnement et un choc, je vous assure. Donc, je vis aux États-Unis et dans le cadre du travail, donc, il m'arrivait d'aller où je vais en Afrique. Et parfois, les itinéraires vous font des escales techniques qui, lors de certaines saisons, n'ont pas lieu. Par exemple, de Washington, on peut aller à Johannesburg par un vol direct. Et puis, il y a d'autres saisons où le vol atterrit à Dakar. Dakar, c'est sympathique. J'ai pas encore été au Sénégal, mais je suis passé par Dakar de la même façon qu'un jour, je me suis retrouvé sans le savoir sur un vol qui m'amenait, je crois, en Afrique du Sud ou escale technique par l'aéroport de Kigali. Mais ça crée quand même un choc, un questionnement, le fait de voir les choses déconnues à distance. Mais pour revenir à ce que Alice disait, c'est vraiment, surtout pour la jeune génération, c'est vraiment de leur parler, de les écouter profondément, donc de savoir et comprendre ceci. Comme je suis parent moi-même, ce que je dis à mes amis et collègues, c'est que vivant aux États-Unis, juste pour vous donner un exemple, quand on vit aux États-Unis, que votre enfant ait un passeport américain ou pas, vous élevez un ou une américaine. La culture, c'est un brique avec toutes les bonnes et mauvaises choses que cela peut indiquer, souvent un certain angle, cet esprit dans cette génération. Et donc, dès lors qu'on leur inculque à travers le système scolaire, une chose qui pour moi est très importante, c'est la réflexion critique et le questionnement. C'est de pouvoir justement communiquer avec eux sur ce plan-là et de partager vos craintes avérées. Dans mon cas, bon, et Alice a partagé, nous avons une sœur, je peux vous assurer, nous avons eu des discussions fortes entre nous, mais en même temps très respectueuses, parce que nous ne voulions pas nous retrouver dans une situation où on a une famille amie, privauté, je ne vais pas dire leur nom, mais j'ai une famille, nous avons une famille amie où, parce que un des membres de cette famille est allé au Rwanda, la génération de nos pères ne se parle plus. Il y a une rupture complète.
où ils ont, j'oublie le terme en Kinyarwanda, où ils ont renié la personne qui a été au Rwanda. Et ça n'aide personne. Ni cette personne qui elle-même n'a pas trouvé ce qu'elle cherchait exactement au Rwanda, ni les autres qui sont restés ici. Et donc, ils se sont retrouvés un peu casés, ancrés dans leur position. Et donc, nous ne voulions pas rentrer dans cette logique-là et nous avons vraiment essayé de comprendre. Et notre sœur nous a expliqué ce qu'elle cherchait, pourquoi elle voulait y aller. De la même façon, moi, je lui ai dit, écoute, je te souhaite vraiment que tout se passe bien et vas-y vraiment avec mon soutien, notre soutien à nous, mais je t'assure, moi, je n'irai pas de sitôt. Et ce n'est pas parce que je ne veux pas, c'est simplement aussi, et c'est une réalité, en tant qu'aîné de notre famille, en tant qu'homme, il y a certaines conceptions ou attitudes qui font que les craintes que j'ai ne sont pas des craintes fictives. Et il y a des exemples très précis qui sont peut-être moins rapportés dans la presse qui me garantissent que ce n'est pas encore le moment pour moi d'y aller. Mais ça ne veut pas dire que je décourage que ce soit mes frères et sœurs ou neveux, nièces d'y aller si l'opportunité se présente. Mais de la même façon, et c'est ce que je voulais, ce pourquoi je voulais terminer, c'est que quand vous les écoutez, il y a d'autres pays qui peuvent être visités. Lorsqu'il s'agit de trouver cette identité en tant qu'Africain, s'ils ne peuvent pas aller au Rwanda actuellement, ils peuvent aller au Burundi, ils peuvent aller au Congo, ils peuvent aller en Afrique du Sud. Enfin, l'Afrique, c'est un continent très large. Oh, my name is Jean de Dieu Rakisimana. I'm from British Columbia. And I live in Vancouver. And I have the chance to see your father in April 6th in Dar-Salaam in Montenegro. I saw the Rwandan delegation passing by in Montenegro in Dar-Salaam. I saw them the last day. So they would go to their cars and they take them to the airport. And some other delegation left in Dar es Salaam. So I saw them because they had a meeting there, peace meeting there. So I would like to ask you a question. Your generation of Rwanda's history, exception of the young people like you who are privileged before the Habyarimana's government, do you have an action plan to encourage them also themselves to write the stories? Because the people like peasants, like people who grew up in Rwanda, we saw them excellent people. But right now in the market, we don't have the stories. So do you have anything? You are the first person to produce this book. So do you have anything to inspire them to continue to tell the story? Because it is very important, especially in the English market, the people can learn the Habyarimana regime through your young generation, not for the old generation. That is what my question to you. So thank you for coming from Vancouver. I think we made the same way. I don't think we can give a lesson. The only thing that we can say is really what we are doing now. It's the storytelling, speaking, trying to make our voice on the history, how we were in Rwanda, how we did things, and by speaking to young generation, that's really the main message, and that's really the main thing that we are doing. So when I'm doing my mediation, I'm asked about how I lived in Rwanda, how old I was, and I mean my perspective on the question, and. So this is my only, I mean, for me, it's my only mean is really to talk about my history, the history of my family, be transparent about how to receive things, and also acknowledge what we can do and what we cannot do. I'm not a politician, I'm a citizen of peace. I identify myself as that,
And really, that's my message to the young generation. And just to add, you know, of course, I did mention earlier that writing a book is quite an undertaking, but it is doable. And although we wrote a book for, as Alice explained very clearly at the beginning, you know, for our, the next generation, for our children, but also to provide and shed a light on what was Rwanda like before, during, and after, and most importantly, also share the life lessons from our parents and from our father, you know, given his prominent role at the time and his private, you know, the private man, and sort of compare and contrast for the reader what this figure was like as a human being and what you'll see in his notes. But we're privileged in the sense that we had this material. So we were able, and as I explained, I was living abroad. And what that means specifically, when you look at the pictures there, almost all the pictures that are there are pictures I have because my family sent them to me, or I took them when I went there on vacation and I would go back to Europe or wherever else I was living. When they left everything behind. You know, there was no time to pack. Oh, hey, let's take the photo albums and the, you know, the tape from X, Y, and Z. And, you know, I mean, this is what everybody experienced mostly. You know, you pack and go, however quickly you could do it and whenever that had to happen. So there is that aspect of having the records. So, you know, we had some of my father's notes, and you'll read again, I won't get into too much detail, but because I was in my early 20s, and as I gave you this anecdote, you know, talking to him and even having the opportunity to talk to other leaders, including the president, there are things that I had that many others necessarily don't. But for those who do, as you rightly point out, this is an example and an opportunity to show that this can be done. And whatever is possible is certainly to share, you know, your story and your stories. And there are many, many different ways that this has to, you know, this can be done. We chose to write collectively. We could have written each, or tried to write each, you know, my story, right? But we figured and realized it is better if we pull together and have one thing we can share with the, you know, with the rest. On une dernière question, et puis ensuite, Chantal, un commentaire. Donc deux, et ensuite, on est le vin d'amitié. Et il y a les livres à vendre. Bonjour à tous. Je suis à l'information. Si je suis ici, c'est grâce au vin. Et puis, John, ils m'ont informé. Mais jamais dans ma vie, j'aurais cru un jour, j'allais me retrouver au milieu d'un groupe de Rwandais qui vont parler de ce qu'ils faisaient au Rwanda. Mais je m'imaginais Alors, je suis d'origine italienne. J'ai vécu la guerre de 40 ans en tant qu'enfant. Ensuite, mes parents sont partis comme immigrant économique en France. Et en France, j'ai fait 3 ans de service militaire par an, la guerre d'Algérie. Ceci dit, ce qui s'est passé au Rwanda, eh bien, moi, tout ce que je sais, c'est par les médias, par un jeune Rwandais qui est au Québec, qui s'appelle Corneille, en Chantal, vous connaissez. Et puis aussi un film qui a été fait par, sur un général, je ne me souviens pas de son nom. Roméo Dallaire. Roméo Dallaire, c'est ça. Merci, parce que ma mémoire, des fois. Alors, ce général, j'ai vu à quel point sa structure mentale a été détruite. Et là, je fais un parallèle avec vous, vos enfants.
que cette structure mentale est détruite aussi pour plusieurs générations. Et je pense que, j'espère que le livre que vous avez écrit, ça va les aider à contribuer avec tout le reste de ce qui se fait pour ses descendants, pour les gens qui l'ont vécu. Alors, c'est ça que je voulais vous dire. Et puis, ma question, c'est est-ce que votre livre explique pourquoi c'est arrivé? Ah, c'est la grande question. Alors, merci beaucoup. Alors, je vais répondre avec, j'ai envie de dire mon jeune âge par rapport à ça. Quelqu'un dit que c'est le grand pourquoi. Donc, en tant qu'enfant, pourquoi c'est arrivé, c'est une injustice, je ne sais pas. Mais en tant qu'adulte, j'ai envie de dire c'est justement la question de la perspective de l'un et de l'autre. Parce que quand on parle de l'histoire rwandaise, vous pouvez vous asseoir avec quelqu'un qui va, bon, à part les éléments historiques communs sur les histoires, hein, donc la colonisation, d'abord par les Allemands, par les Belges, ensuite la question de l'ethnicisme, Hutu-Tutsi, comment c'est arrivé, les républiques. Donc ça, ce sont des faits historiques qui sont là. Mais maintenant, la question rwandaise est tellement complexe je pense pas que... que je ne peux pas m'aventurer personnellement, et je ne pense pas que c'est important à ce stade de m'aventurer sur ce qui nous a divisés. Je préfère regarder ce qui peut nous rassembler, ce qui nous a toujours rassemblés. Mais ça revient encore à ce que je dis, c'est qu'à chaque parent d'expliquer l'histoire de sa famille, donc l'historique de chacun, mais je ne pense pas, je ne prétends pas, et je ne pense pas qu'il y a un Rwandais qui peut s'asseoir et dire, à part évidemment les dates historiques et les événements historiques, de dire voici l'histoire telle qu'elle est. Donc ça, c'est les fameuses questions de perspective. C'est mon point de vue. Merci. Est-ce que ma perspective rejoint celle d'Alice, peut-être avec la qualification suivante, c'est que ayant vécu, comme je le disais, le gros de ma vie à l'étranger, moi, je me suis beaucoup intéressé par rapport à la problématique des Grands Lacs et, par extension, et spécifiquement celle du Rwanda. Donc, s'il s'agissait de vous décrire, nous avons convenu entre nous de ne pas rentrer dans l'écriture d'un nouveau traité historique venant de notre famille sur le pourquoi, le comment, et ainsi de suite. Mais par ailleurs, dans le livre, vous découvrirez beaucoup de choses qui ne sont pas nécessairement, qui ne relèvent pas de ce que tout ce qui a été écrit jusqu'à présent fait compte. Donc, pour justement faire ressortir le caractère complexe des relations, la dynamique qui existait à l'époque, qui va au-delà du Rwanda, donc il y a la question ethnique évidemment, mais il y a aussi la dynamique régionale, les aspects, les vases communicants entre le Burundi et le Rwanda, que beaucoup d'historiens ignorent. Et moi, étant, j'avais la vingtaine, donc en 94, quand la crise a éclaté, j'ai parlé avec beaucoup, beaucoup de journalistes, comme John le sait, immédiatement. Ah, toi, tu es le fils d'une des victimes, alors est-ce que tu as les preuves? Est-ce que tu sais qui, quoi, comment? Et ma réponse était toujours on ne sait pas, mais nous voulons savoir. Et légitimement, en tant que fils et fille, veuve de personnes qui étaient dans un avion qui n'est pas tombé du ciel, comme certains pourraient cherchent à le faire croire, nous voulions savoir, évidemment. Et nous gardons l'espoir qu'un jour, on le saura. Mais ce n'est pas à nous, nécessairement, de faire ressortir ce que, cet aspect-là, parce qu'il y a d'autres exercices qui ont déjà été faits et des faits. Il ne faut pas le minimiser. Mais par contre, il y a des perspectives que nous pouvons partager qui
mettent en relief la complexité des choses qui sont passées là-bas. Mais par ailleurs, et pour revenir justement sur le point qu'Alice a très bien souligné, c'est qu'il n'y a pas une personne qui pourrait vous faire ressortir l'entièreté de ce qui s'est passé, ni vous donner l'explication complète. Mais, à titre d'exemple, quand on parle du Rwanda et qu'on ne prend pas en compte ce que René Lemarchand a écrit au début des années 60 par rapport à l'histoire du Rwanda, pour moi, on est déjà un petit peu à côté de la plaque. Donc, ça, tout ça pour dire, comme Robin le sait, on a eu des discussions à l'époque, quand lui-même écrivait son livre. Il y a une continuité dans l'histoire qui peut permettre de comprendre d'où sortent ces gens, ces groupes, ces personnes, ces individus. Et ce sont des individus, ce sont des êtres humains. Et cette dynamique, c'est une dynamique de base commune. J'en resterai là pour ça. J'ai essayé, quand le conflit a éclaté en 1990, j'étais jeune, très jeune étudiant en Autriche, très enthousiaste pour répondre justement aux questions que des camarades me posaient. Ah, toi, tu viens du Rwanda, mais qu'est-ce qui se passe dans ton pays? On sort, on voit dans les nouvelles qu'il y a une guerre et c'est qui, quoi, comment. J'ai fait cet exercice à l'époque et je peux vous assurer d'une chose, Vincent, c'est Vincent, non? Voilà, je peux vous assurer d'une chose, c'est que j'ai fait un exposé à l'université de Grasse, je m'en souviens très bien, c'était à l'automne de 1990, novembre, quelque chose comme ça, à l'université de Grasse où j'étais invité. J'ai fait un exposé où j'ai présenté toute une série d'éléments. Et au fur et à mesure que je parlais, certains étaient contents par rapport à ce que je disais. Ah oui, oui, tout à fait. Et puis, quand j'ai parlé d'autres aspects, et je vais vous donner un exemple, le fait que le Rwanda vivait une crise de réfugiés avec la population réfugiée la plus ancienne sur le continent africain, mais qui était en cours de résolution. Et pour ceux qui comprennent et connaissent l'histoire du Rwanda, ils sauront ce que cela veut dire. Il y avait une crise de réfugiés la plus ancienne, c'est bien vrai, mais qui était en cours de résolution. Ça pose la question de, est-ce qu'il y avait une justification quelconque pour envahir un pays paisible, petit, avec les problèmes qu'il avait, pour juste changer de pouvoir. Voilà. Et donc, quand j'ai soulevé ces questions, c'est juste pour vous dire que c'est tout à fait complexe. Mais un autre point important, c'est que même pour nous, il y a des choses qu'on oublie. À titre d'exemple, aujourd'hui, tout se ramène à l'ethnie, dans la mesure où on en parle. Et ce n'est même pas possible pour beaucoup, pour des raisons légales, y compris à l'intérieur du pays. Et ça, c'est libre à eux, c'est une question de gouvernance, c'est comme ça qu'ils ont décidé de régler la question, c'est qu'on l'ignore et on dit que ça n'existe plus, tout le monde est bleu, comme j'aime à le dire. Et quand j'étais petit, et je vous dis pourquoi, quand j'étais petit en Belgique, on a fait une excursion scolaire, et ça sera peut-être intéressant pour vos enfants, où je crois qu'on allait en France. On nous a dit, OK, tout le monde est bleu. Les bleus foncés, vous allez au fond du bus. Les bleus foncés, vous allez au fond du bus. Hein? Mais on est tous bleus. Les bleus clairs, vous allez au devant du bus. Vous voyez? Et ça, c'était en Belgique. En tant que petit enfant noir à Kossoum, c'est une chose qui m'a marqué. Hein? Donc ça c'est à l'époque. Mais pour revenir au Rwanda, juste pour vous dire à quel point c'est complexe, c'est que aujourd'hui, quelque part, on réduit tout ça à une question ethnique, avec les ramifications, les implications que ça a. Mais il y a une dimension que beaucoup, et même les Rwandais ont oublié, c'est ce qu'on appellerait la dimension clanique, les clans. Et en fait, dans la langue rwandaise, et là je parle sous le contrôle des gens dans l'audience, mais je vais quand même le dire, c'est que le terme qu'on traduit généralement comme ethnique, en fait, veut dire deux choses. Le Gonkon relève à la fois de l'ethnie et du clan. N'est-ce pas? Et par extension, il y a une dimension de classe. Et quand vous savez qu'au Rwanda, il y avait une vingtaine, non, pas une trentaine, je pense, de clans,
qui recouvrait l'entièreté du territoire, ça vous donne déjà, ça ouvre des perspectives sur la dynamique qui existait à l'époque, que beaucoup, même les Rwandais, ignorent ou dont ils ne se souviennent pas, mais qui peut expliquer certaines dynamiques qui vont jusqu'à aujourd'hui quand on parle de ces groupes ethniques qui se battent les uns contre les autres, soi-disant, ou même certains entre eux. Voilà, tout ça pour dire que c'est pas évident, mais ça vaut la peine.
Et il y avait la question du pourquoi. Je trouve que c'est pas vraiment important. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est justement ce cadre avec des outils que j'avais vus ailleurs pendant mon cheminement personnel, comme on a dit, oui, les parents ont des moi, ils ont des gens dans le corps, dans l'esprit, pour savoir ce que c'est. Et donc, pour moi, moi, j'ai fait mon cheminement à un moment donné, j'ai grandi avec une mère qui me disait, je pense que la plupart de rendre comme ça, et je peux comprendre. Il y a des choses qu'on dit, qu'on n'a pas vraiment les mots pour. Et évidemment, on s'est retrouvé avec quatre deux enfants, j'avais 10, mais je suis aînée. Et donc, la vie, c'était la survie. Donc, côté l'héritage historique a été mis de côté. C'est tout à fait normal. Et je pense que moi aussi, j'ai fait la même chose avec ma fille, avec les histoires, jusqu'à maintenant, de poser des questions, jusqu'à un peu de reconstruire mon identité ou en mettre un peu de questions. Il y a des questions que j'ai toujours pas de réponse pour elles. Là, on va le faire. Et pourtant, je suis quelqu'un qui se dit que j'ai fait mon cheminement juste en train de faire mon cheminement. Et, mais il y a quand même ce problème-là qui se pose encore. Ce que quand même, je remercie à ma mère qui l'a fait, je trouve que c'est assez spécial. Je ne sais pas si en fait, par rapport à des autres parents qui m'ont dit, elle a choisi de ne rien dire. Quand je grandissais, j'étais comme. J'avais la rage. Mais après, j'ai compris. Il était dans le trauma. Si elle m'avait raconté l'histoire avec tous ces traumas, je ne sais pas ce que moi, je fais. Elle m'aurait donné comme héritage. Donc, et je lui remercie finalement pour avoir fait ça. Maintenant, je suis assez grande, assez mature pour faire le cheminement moi-même. Et donc, quand j'ai quelques questions, je peux lui poser des questions. Mais ça m'a permis de me construire moi-même sans avoir des traumas. Même si je les ai dans le corps. Mais c'est une chose de les avoir, mais c'est une autre chose aussi d'avoir quelqu'un qui peut me transmettre comme ça. Et donc, tu disais tout à l'heure qu'elle crée le cadre. Je pense qu'elle a déjà créé, puisqu'elle utilise déjà. C'est ça qui fait résilience, c'est peut-être pas connu encore et assez connu dans la communauté française, mais pour ceux qui sont prêts, parce que je pense qu'il faut être prêt à affronter ce trauma, c'est là en fait. Donc, tu vas revenir pour en faire ici, je ne sais pas, mais c'est quelque chose que moi je pense que c'est très important qu'on puisse faire en connu avant de commencer à chercher à se reconcilier avec les autres. Je pense qu'il est important de se reconcilier avec soi-même d'abord. Avec son histoire, avec qui on est, avant d'aller vers les autres, parce que quand on va vers les autres, avec les communs, on fait plus de vie. Donc, je les vois souvent, je suis plus ou moins activiste, je ne veux pas les dire comme ça, mais j'ai commencé à m'intéresser à ça, au fait de voir ce qui se passe au Rwanda actuel, et de me dire, j'ai toujours demandé à ma mère, mais vous faisiez quoi, comment vous avez laissé ce truc-là arriver jusque-là? Et là, maintenant que je suis adulte et que je vois quand même ce qui se passe au Rwanda actuel, je me suis dit, ah, j'ai pas envie que ma fille aille bien. Donc, je m'engage. Mais malheureusement, il faut de voir que la plupart des problèmes qu'on rencontre, même quand on essaie de créer un Rwanda nouveau, les gens avec qui on travaille, ils ont leur propre trauma, ils ne sont pas encore sortis de là et ça bloque. Moi, c'est ce que j'ai expérimenté. Et finalement, je me dis, il n'y a peut-être pas qu'on retourne vers soi-même d'abord avant de dire qu'on veut changer les autres. Voilà. C'est tout. Merci. Juste une petite merci à vous deux et juste une petite remarque pour Chantal. Donc, j'espère que tu pourras un jour.
faire la paix avec cette histoire douloureuse qui est la tienne, retourner à l'intérieur de toi, retrouver la paix et est-ce que je pourrais gagner quand même une cliente. Merci beaucoup. Je pense qu'on devrait donner un bon tour d'applaudissements à nos deux invités. Et de vous tous d'être venus. Nous avons publié un livre en anglais. Des livres existent en français, mais on ne l'a pas à vendre sur la table là-bas. Mais je pense que si vous parlez à Alice, vous en trouverez. Mais je ne veux pas vous décourager d'acheter le livre en anglais. Parce que l'éditeur, il doit vivre, comme j'entends le dire. Alors, merci beaucoup. Et je vous invite à prendre un verre de vin où il y a Mme Julia qui s'occupe de goûter, qui est ici avec nous. Alors, bonne soirée, puis on a encore jusqu'à 5 heures avant de devoir quitter la salle. Merci beaucoup. Alice, can I bother you? Yes. Or you? You too. Have to have the translator. My name is Corpo. Everyone are a you. Everyone are.